Du coup, nous, on a commencé en mars 2007 avec le site. Et c'est parti de l'envie de faire un truc dont on était complètement maître. Voilà. Et c'est un truc qui nous est gardé tout du long, dans tout ce qu'on a fait. Donc, mars 2007, on crée le site en disant que c'est une bonne blague qui va durer genre 3 mois, quoi. Puis mine de rien, 10 ans plus tard, on est encore là. Donc c'était une longue blague. Et du coup, le magazine est arrivé dans l'idée qu'on s'en faisait. 2010-2011, on a voulu naïvement se dire qu'on avait passé par un éditeur, trouver des gentilles marques qui allaient nous donner des millions d'euros. Et puis tu te rends compte qu'encore une fois, tu te dis qu'en grandissant, en fait, tu peux arriver à sortir du DIY, et puis pour plein de raisons, en fait, tu n'as pas envie d'en sortir. Donc du coup, on a lancé le magazine tout seul aussi, en abonnement. Donc à l'époque, c'était tout début du crowdfunding. On a été parmi les premiers, je pense, à se financer comme ça. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on se rend compte que le do-it-yourself a des limites. Donc, du coup, on est passé en kiosque toujours milieu 10 mètres l'année dernière. Et entre-temps, en 2012-2013, je crois, on s'est dit, bah, tiens, tant qu'à faire, autant faire un label, quoi. Donc on a aussi fait un label. Il y avait une frustration du format, c'est-à-dire que le site il continuait de tourner toutes les semaines, tout le temps. Et je trouve ça très très bien pour le côté cours de récréation. Mais l'ergonomie, le format fait que du coup sur Internet c'est très très dur d'avoir des formats reportage, de développer la pensée et que en fait on voit bien dans les habitudes de consommation, pardon pour la parenthèse marketing, mais dès lors que tu es sur des textes qui sont très très longs, ce qui a souvent été la particularité de Konzaï, tu rates des lecteurs, tu rates des gens, tu rates un propos, tu rates un temps d'attention, le temps de cerveau disponible, on parlait mon jote. Du coup on l'avait pas sur le net. Qu'on allait faire un magazine pour compléter le propos. Et au final, du coup, aujourd'hui, le site il est plutôt axé que musique, même majoritairement musique, et le magazine traite d'autres choses. Donc, c'était aussi l'idée de croiser les envies, croiser les idées, les thématiques, et donc d'avoir un côté magazine pop au sens large, parce que le magazine n'est pas musical uniquement, et un site musical en parallèle. Voilà. Et donc les deux, pour l'instant, marchent bien en ping-pong, quoi. Parce que tu es sur le segment musical sur lequel on est, si on parle juste de musique. Hein. Tu es condamné à perdre de l'argent. Et c'est pareil pour quelqu'un qui aurait ce qu'on appelle un one-hit wonder, donc un truc qui ferait beaucoup de succès tout de suite par hasard. Ça fait toujours qu'on renfloue les pertes. Et c'est cool. Mais en fait, c'est les règles du jeu, il faut les accepter, je pense. Mais donc, du coup, on perd de l'argent. Enfin, pas qu'on perd de l'argent. Mais sur le site, par exemple, on n'en fait pas. Parce que du coup, on a une régie pub, mais qui vend assez mal en web. Pas parce que c'est une mauvaise régie pub, parce que du coup, les gros annonceurs vont aller vers des trafics très importants. Et ça, c'est la même règle depuis 10 ans, ça n'a toujours pas changé. En tout cas, soit on est très mauvais en pub, ce qui n'est pas impossible, soit il y a une économie qui va vers le mainstream, notamment sur la publicité internet. Le disque arrive à se financer qu'à un cas où on n'est pas déficitaire, parce qu'on a tout gardé cette idée d'abonnement. De préfinancement, qui fait qu'en général, je ne payais pas de bois, d'ailleurs. En général, les disques, lorsqu'ils arrivent du pressage, sont déjà quasiment financés. Bon, on perd sur chaque disque 400-500 balles au final. Et puis des fois, on a une réédition qui permet de renflouer le truc. Mais c'est au petit peu dans la chance, et moi je trouve ça très bien, parce que du coup, tu t'éloignes pas ton idée de départ. Alors certes, avant Paris, ça ne fait pas les factures, mais qui est de servir les choses en lesquelles tu crois, même si ça a perte en fait. On se finance tous par d'autres biais. Et le magazine, c'est encore une autre économie qui est plus longue, parce que du coup, là, on a un circuit de distribution avec un distributeur qui nous met en kiosque. On a les abonnés qui sont en vente directe. On a une régie publicitaire. Et donc, c'est un circuit qui est compliqué, mais au final, on ne perd pas d'argent. On n'en gagne pas. Mais on n'en perd pas. Tout dépend des jours, comment tu le vois, tu vois. Mais globalement, les choses tiennent. Quoi. Mais elles ne tiennent que parce que depuis le départ, on s'est toujours dit qu'on ne voulait pas en vivre. Ce qui peut être soit un manque d'ambition, soit une lucidité, tu vois. Mais on s'est toujours dit qu'on voulait pas faire les mauvais choix à cause de ça. Mais au tout départ, moi j'étais assez impressionné, je suis toujours d'ailleurs, par La Souterraine, qui commençait à l'époque avec des compilations qui étaient juste des compilations hallucinantes, de trucs français dont j'avais jamais entendu parler, tu vois. Enfin, ou vaguement, parce qu'on suivait déjà vachement Aquaserge et tous ces groupes-là, dont ils sont assez proches. Et l'idée de départ, c'était de faire des compilations digitales. Et au final, du coup, on s'est dit, bah, tiens, ça nous fait chier de faire toute la partie administrative, contrat, tu vois, chiant, mais il fallait le faire. Donc, du coup, on s'est adossé à un label belge qui sont des potes, qui s'appelle Freaksville, qui a dit, bah, écoutez, moi, je suis prêt à vous prendre toute la partie digitale en gestion. En gros, vous n'avez qu'à signer des choses et nous, on les sortira. Très bien. Et donc, au départ, en fait, on a sorti plus de digital que de vinyle, étonnamment. Et en fait, c'est comme toute chose.
au départ, c'est excitant, et puis après, tu vois les limites de l'exercice. Et en digital, elles sont très rapides, les limites. C'est-à-dire que tu as très très peu de rentabilité, voire pas. Tu te bats pour des décomptes digitaux trimestriels qui sont de l'ordre de entre 50 et 100 euros. Puis au départ, tu te dis que c'est toi parce que tu es un gros baltringue, en fait. Ce qui n'est pas exclu, tu vois. Et puis tu parles avec des labels plus importants, tu parles avec BornBad, tu parles avec différentes, qui est un distributeur physique. Et tu te rends compte que aussi, c'est ridicule. Bref, on va pas rentrer dans un détail là-dessus. Mais du coup, on s'est rapidement dit que le côté fun du digital avait ses limites. Et on s'est dit, putain, puisqu'on est dedans, puisqu'on a tout ce qu'il faut, autant faire du vinyle aussi. Et en fait, du coup, on arrive à ce paradoxe, et c'est pareil pour le magazine papier, qu'en 2017, alors que tout devrait pousser à te dire que le digital est zéro coût, donc tu ne devrais avoir que de la rentabilité, c'est le cas, mais tu te bats pour 30 ou 40 balles, quoi. Et au final, nous, ce qui nous rapporte le plus d'argent, entre guillemets, ce qui permet d'alimenter la machine, on va dire, c'est le magazine papier, donc avec des coûts, on tue des arbres, voilà. Et le vinyle qui est un truc d'il y a 40-50 ans, tu vois. Alors qu'on est parti en pure player digital, tu vois. Et au final, c'est ça que moi je trouve complètement délirant, quoi. Et après, donc, bon, bref, migration là-dessus. Mais il n'y a pas le souci mitterrandien de la postérité à avoir un objet, tu vois. Oui, je trouve que c'est la première fois que j'ai reçu les cartons de vinyle, j'étais fier comme un gosse, tu vois. Puis après, tu t'habitues et tu continues, parce que c'est cool. Parce que si tu te dis que si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Au départ, on voulait rééditer le 45 tours de Lester Vang. J'ai fait de la musique, en fait. Pas très longtemps, mais c'était chez Spy Records, qui était le label de Michel Esteban et John Cale. Et tu te rends compte que rapidement, les étrangers, pour arriver à toucher un terme de contrat, parce qu'en fait, tu peux rééditer le disque d'un artiste, même s'il n'est pas d'accord. Tu ne deals pas avec l'artiste en direct, tu deals avec le label qui a les droits de production. Donc le label qui, à l'époque, a mis l'argent sur la table pour financer le disque. Et donc, c'est des bordels sans nom. Donc du coup, c'est plus facile de bosser avec des Français parce que souvent, ils se sont souvent fait en papaouté par les labels en question. Donc si tu veux, ils ont gardé leur contrat, donc tu peux dealer avec en direct. Et puis sans côté toi. Donc ça, c'était la première raison. Et la deuxième, c'est que oui, moi je trouve que la musique française est en général, on va dire, des années 60 à 70. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a un vivier musical créatif qui est hyper important. Mais après, moi du coup, ce que j'adore dans la musique française, c'est que t'as toujours un côté bizarre, en fait, parce que c'est toujours soit des années 60 à 70, c'est des copies ambitieuses de choses existantes à l'étranger, donc c'est des copies foirées. Mais dans la copie foirée, t'as toujours un truc génial, mais tu vois, typiquement, si tu prends les équivalents Johnny, ce serait l'équivalent de Elvis, mais en raté. Tiens, ça crée d'autres choses. Alain Chamfort, c'est un Brian Ferry raté anglais. Paul Naref, c'est un Elton John raté. Bref, et t'as toujours ce truc-là sur ce segment musical. Et puis t'as des Français chelous dans les 70s qui font des trucs géniaux, tu vois, et qui à l'époque ont complètement foiré, qui n'ont jamais été réhabilités. C'est pas un truc de la France aux Français, tu vois. Mais putain, si nous on le fait pas 40 ans après, qui encore une fois qui va le faire? J.B. Wiss de BornBad le fait très bien, par exemple. C'est notre pierre à l'édifice, tu vois. On n'est pas sur le toit, tu vois. Mais on devait peut-être faire le truc des fondations, un petit bricolo boy, tu vois, mettre notre petite pierre. Moi, je trouve ça cool, tu vois. Et ça nécessite pas d'avoir un retour sur investissement ou je sais pas quoi. Juste, moi, je trouve ça cool de le faire. En fait, quand je m'endors, je suis content, tu vois. Ça me suffit. Mais j'ai toujours trouvé ça important, les soirées, parce que là, en fait, c'est plutôt un délire de sale gosse. Mais c'est plutôt l'idée, le plaisir que tu peux avoir en tant qu'organisateur. Après plusieurs années où tu galères et tu vas au DAB à la fin de la soirée parce qu'il manque du pognon, tu complètes avec ton propre pognon, il n'y a personne dans la salle, tu attends sur le trottoir, tu dis peut-être qu'ils vont arriver, ils n'arrivent pas, tu dis putain. Et puis à un moment, pour une raison qui ignore, ça commence à marcher. Nous on a Jack Daniels qui cofinance tes soirées depuis très longtemps, tu vois, ça a aussi vachement aidé à structurer. Et du coup, le délire de sale gosse, c'est de se dire que si tu fais bien ton travail, tu arrives à une soirée où tu n'as rien à faire, où les gens sont là, ils s'amusent. Tu peux te foutre derrière le backstage le soir et voir ton concert, en fait. Moi mon plaisir, c'est que je fais beaucoup moins de concerts qu'avant. J'en fais de facto deux par mois. C'est les concerts où je fais venir les artistes que je veux voir, tu vois. Donc tu te payes ton propre concert, en fait. Tu vois, c'est un peu égoïste, en fait, quelque part. Mais putain, en même temps, on trouve le plaisir là où on peut, tu vois, dans ce putain de boulot. Et bon, pour moi, c'est hyper important, mais par contre, là, moi, ce qu'on a toujours mis en place, et j'y tiens vachement, c'est à tuer les conflits d'intérêts. C'est-à-dire que c'est très très rare, ça arrive, hein, mais qu'on va jouer des groupes consignes. Parce que sinon, tu tombes dans un vase clos qui est un peu consanguin, quoi. Donc ça arrive qu'on fasse des... Là, tu vois, en mai, on va faire jouer Wire avec Blackmail, dont on va sortir la prochaine BO en vinyle. C'est cool, tu vois. Et ça me semble évident de faire jouer Blackmail avec Wire, tu vois, parce qu'ils sont fans. Donc quand il y a des évidences, on le fait. Mais pour moi, c'est encore un truc complémentaire qui tient de l'ordre du plaisir personnel. Et en même temps, c'est assez logique. Tu fais des disques, tu fais des concerts, tu parles de musique dans ton magazine, tu vois. Mais ça rend pas plus riche.
c'est juste plus de problèmes, tu vois. Voilà. Mais c'est cool. Mais je ne verrais pas aujourd'hui l'une activité, enfin comment dire, je ne verrais pas Gonzaï sans le site, je ne verrais pas Gonzaï sans les soirées, je ne verrais pas Gonzaï sans le, tu vois, et sans le label. Ça te pousse en fait, la conclusion de ce truc-là, c'est que ça te pousse à devoir réussir partout, enfin à ne pas te foirer dans aucun des secteurs. Parce que si une pierre tombe, bah, c'est peut-être de l'orgueil mal placé, mais ça me fait chier quoi, tu vois.